Yeah, YouTube, c'est Sean Cosmae et le super adaptoïde. Bonjour, super adaptoïde, comment tu vas? Ben ça va, j'ai trouvé le casse-tête. Oh la vache, jeune Jean vient tout juste de se laisser pour l'épisode 40 et Stal, d'une détermination sans faille, vient de nous trouver le casse-tête perdu, c'est incroyable. Juste incroyable. Et du coup, voilà, ça nous aura évité tout un tas de recherches inutiles sur les succès, sur Super Soyuz ou sur ce genre de trucs, même si, en vérité, voilà, on n'avait pas encore réellement regardé, mais... Non, c'est bien, c'est parce que vraiment, tu l'as trouvé à la seconde près, en fait, au moment où on commençait à chercher. Quand t'as mis pause sur le jeu, je l'ai vu. Voilà, c'est trop fort. Ah, mais c'est au Far West? Ouais. Ah bah d'accord, je pensais que c'était à Halla. Ok, et écoute... Ah, mais c'est le truc que j'avais pas fait. Ah bah bravo, hein. Ah bah bravo, hein. What? Qu'est-ce que... T'as grandi? Ouais. D'accord. Tu fais un peu ce que tu veux, toi, Mister Adaptoinaz, là. Du coup, c'est quoi l'idée? Je tire? C'est un bouclier, c'est ça? Est-ce que avec lui ça marche? C'est quoi ah, oui, ça? Marche. Ouais. Qu'est-ce que, ah qu'est-ce oui, que, non, attends. Qu'est-ce que je fais? Je sais, qu'est-ce il y avait d'autres trucs à faire. Il y avait ça, là. Hein? Ça, il fallait pousser. Là. Oh là là. Oh, ça m'a l'air compliqué. Et là, ton il fallait revenir vite parce que ça tire le laser. C'est un super-héros super rapide. Et vite. D'accord. Ah, il fallait casser ça peut-être. Oh là. D'accord, oui, tu vas faire refléter le laser et il doit arriver dans ce machin. D'accord, j'ai cru que c'était un stand de tir, moi. Un stand de tir de laser, rien à voir. Attends. Je vais t'actionner le bouton, mets-toi en bouclier. T'es bon? Allez, go. Je vois rien. Vas-y, plus haut. Plus haut. Oui. Oui, check ça. Vieille. C'est facile à deux. Oui, bah bien sûr. Du coup, c'était le casse-tête manquant, le casse-tête perdu. Oh, c'est obligé, il y a un succès au casse-tête. Oula, attends, oui, c'est loin d'être fini, là. Qu'est-ce que... C'est quoi cette épreuve hyper longue, là? Attends, c'est où? C'est où je dois aller? Merde, je me tournais pour toi pendant 2 secondes. À l'intérieur? Ouais, mais à l'intérieur. Ah, là, attends. Là, ici. Ah mais oui, c'est ça, ça avait bugué quand je l'avais fait. Ça avait bugué? Oui. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas. D'accord. Attends, je m'adapte au paysage. Où est-il? Où est le perso que je cherche? Stal, où est le perso que je cherche? Je sais pas. Stal, ça va pas, hein. Où est le perso que je cherche? Où est le perso que je cherche? C'est bon. J'ai! Ah ah! Merde, j'ai le perso que je cherchais. Je suis bourré. Mais, okay. Mais on est au Far West, c'est mon métier. C'est moi qui répare les pianos du coup. Les pianos? What? Ok. Le mec il met un coup de fer à souder dans le piano. Le mec il a tout compris. Quoi. Ok. C'est bon. Et voilà. Attends l'honneur. Oui. J'espère vraiment par contre que c'était la dernière mission. Parce que sinon... Vas-y Iron Man. Oh là là, Iron débile. Iron casque. Iron donc. Pas capable de monter une marche, hein, j'ai tout eu. Affolé de cette musique mécanique. Oui. Tenez, grosse ambiance. Et ensuite. C'est tout. Et ensuite. Et ensuite. Et en. Ah là. Là. Hein. Là. Ah. Oui. Y'a pas de succès. Oh. Bah attends, c'est pas possible. On a encore loupé un casse-tête quelque part. Non mais genre y'a pas de succès. Là. D'accord, c'était le casse-tête. Ok, donc c'est possible tout qu'il reste des casse-têtes bloqués. Je savais pas, je pensais que c'était que des missions scénarisées. Ah merde, je vole pas moi. Allez, salut. Ah merde, l'air bête. Ah, puis du coup, je me tape toute la nuit. Bon, je la regarde quand même, elle chier. Regarde. Ah, le casque, merci. Par contre, effectivement, voilà. Il me faut quelqu'un qui quel est ce... vole. Ah, pourquoi le roi Arthur il vole pas? J'aimerais trop un roi Arthur qui vole. Je vais aller me le faire moi-même. Du coup, c'est quoi le but ici? Je sais pas. Bonjour mademoiselle. Hey. Ah. Il faut un bouclier. Il faut t'y vas? J'ai un bouclier. Docteur bouclier. Je veux le foutre, mais j'ai un bouclier. Le général Ross, c'est le Hulk rouge. Et ah, ça me dit quelque chose, il est pas dans le film lui. Bonjour. Il faut lui pêcher la clé. Oh bordel. C'est une mission pour Docteur Ego. Bien sûr, pour Docteur Mentaliste. Docteur. Ah, je me suis repris le laser. Attends, peut-être que c'est une mission pour deux Docteur Ego en fait. Non. Mais si, attends, je me suis dépêché. Je suis le seul et l'unique Docteur Ego. Je me dépêche, hein. Mais je peux pas passer la porte. Merde, je l'ai défoncé. J'aimerais bien changer de forme. Trop compliqué. Oh, trop bien, on fait un pipes. À quoi? Un pipes. Un gaga quoi? Je vois rien mais. C'est quoi un pipes? Bah c'est ça. Tu dois relier les tuyaux là. Ah, tu peux pas juste dire relier les tuyaux. Bah ça s'appelle pipes, le vrai jeu il s'appelle pipes. D'accord, je connais pas.
Ok. Ah ! Qu'est-ce que... Ah bah c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Là, il y a un bois mètre. Lui. Voilà. Ensuite, il y a un autre bout. Encore. Là. Encore. Voilà. Là. Vas-y, envoie le jus. Attends, il y en a un qui est pas connecté, là. Hein ? Là, il y en a un qui est solo. Mais regarde, ça relie, on s'en fiche. Ah, d'accord, il y a des pièces en plus. Ah, ok. Ok, attends, ok. Faut le dire. Foudre ! Et foudre ! C'est bon ? Oui ! Et la lumière fut ? Et maintenant ? Ça va où ? Je sais pas. Ah ! T'as trouvé quoi ? Ah, faut libérer les prisonniers ! Ah, mais c'est pour ça, c'est une grosse mission scénarisée en fait. À mon avis, ça sent le boss. Bah non, on a déjà eu un boss au Far West. On a déjà eu un boss au Far West, j'ai un doute. Oh, y'a des bébelles! Oui. À mon avis, la suite c'est dedans. Ouais, non, c'est gros. Vous avez désactivé leur canon. Ah, allez les filles, suivez ce héros. Ok, c'est bien, on vient de se faire rouler dessus là. Faut les suivre, faut je veux un bébelle. En dessous, c'est fermé. Dans la pièce, y'avait rien d'autre? Bah non, mais il faut aller au-dessus maintenant. Parce qu'il y avait deux câbles. Oh, moi j'ai suivi un câble, je pensais que t'allais voir l'autre en fait. Non, mais j'avais pas calé qu'il y avait deux câbles. Il va là. C'est pour ça. Comment ça, il va là? Bah, il va juste là. En fait. Ok. Et maintenant? Bah, il doit bien avoir un truc. Ah, bah voilà! Attends, pourquoi ils avaient enfermé des brebis en fait? Clyde, je suis en train de dire merci. Tenez, vous avez qu'à prendre ça en récompense. Les bandits ont dû l'oublier. Oui! Voilà, le cube divin ou pas? Je sais pas. Du coup, prenez les paris! Prenez les paris! Toujours pas. Prenez les paris! Que... Oui, mais à mon avis, ça doit être des casse-têtes scénarisés. Parce que les casse-têtes de base, on les a tous. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, ça regarde. Ah bah oui. Oui, j'allais dire, il est bloqué. Bah oui, il reste encore deux missions scénarisées ici. Allez, missions scénarisées. Vas-y. Moi, je regarde à proximité s'il y en a pas d'autres. Tiens, c'est quoi pendant que tu fais ça? Moi, je vais faire Xandar. Parce que ça fait un moment que Xandar est démarré et qu'on l'a pas fini. Donc, allons faire Xandar! En plus, je vais avec Star-Lord. Oh, il est trop stylé! Bonjour. Est-ce que c'est pas un pote à Arizona Girl? C'est ça, t'es voyou. Je crois qu'en même temps, ils doivent tous se connaître. Lâchez-moi rien, on prie mon pistolet. Avec un nom comme le mien, je vais perdre toute ma crédibilité si j'ai plus d'armes. Ah oui, il a une saucisse en fait en buvant de flingue. Je viens juste de faire imprimer mes cartes de visite. La seule option, c'est de traquer ces vermines et de récupérer mon pistolet. Vous allez m'aider, hein. Je peux pas acheter un flingue n'importe où, dans n'importe quel magasin du monde. Ouais. Genre, il faut son flingue à lui. Attends. Bon. Bah écoute, moi j'engage la conversation aussi. Hein. Ah bah oui. Oui, bon bah pardon, c'est pour ça. Ah pardon, t'étais en train de changer de perso au moins. Bah non seulement oui, comme s'il est parti sans moi. Ah, il m'a laissé sur place. Il attendra au bout de la rue, c'est pas grave. Directement quand on a accepté d'y pourvoir. Comme tu peux l'imaginer, les cohortes de Nova ont beaucoup de choses sur le feu, au littéral comme au figuré. Et même avec toute la meilleure volonté de t'aider à l'organisation de la fête, il me reste encore un gros bout d'empire à charge. Pour... Ok. Formidable. Donc du coup, j'ai beaucoup trop... Quoi ? Je dois trouver des smoothies. Oh, je viendrai t'aider après, j'adore ça. Je dois trouver des smoothies, des cakes. En avant ! Attends, parce que tu viendras m'aider si t'as le temps de venir m'aider, parce que... Attends. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que je dois les éliminer ou est-ce que je dois les récupérer ? Je comprends pas. Mais poussez-vous, bordel ! J'ai l'impression qu'elle est pas fan de pâtisserie, en fait. J'ai tout vu. Là ! Ha ha ! Non, c'est ça, je dois en récupérer. Ok, bah je sais pas si la boss est fan de pâtisserie, mais toujours... Je fais un tabac de gâteau. Un tabac de gâteau. Des gâteaux au tabac. Des gâteaux à la drogue. Des space cakes. Drogue. Ok, donc depuis tout à l'heure, je récupère pas mal de gâteaux, mais alors les smoothies, zéro. Hein. Ok. Hop. Un smoothie. Ok, celui-là. Non mais ça va, si c'est des petites missions comme ça, c'est cool. C'est cool, ça change, c'est rapide, voilà. Ok, smoothie récupéré. Oh, c'est quoi ça? Des chips? Ils vendent des chips. Stahl. Ouais. Ça vend des chips. C'est bon les chips? Oui, mais c'est bizarre de vendre des chips comme ça. Ah non, c'est des trucs à hot dog en fait. Faut savoir un peu de tout. Oui, de tout. Tout ce qui est salé. Le cake. Où es-tu? Là, je vois le cake. Ok, le cake c'est fait. Les chips! Enfin, les chips hot dog. Les chips au hot dog. Dès qu'il fait des fusions. Bon, c'est du salé, hein. Oui. Non, si, pourquoi pas. Tu sais, ils font bien des chips goût frites, gris, goût burger, goût poulet, alors pourquoi pas l'inverse? Des chips goût frites en même temps. Ouais, bon, ça va, hein. Ça va.
effectivement, c'est logique. Waouh. Oui, du coup, j'aurais pas besoin de toi, je vais avoir fini. Mais désolé. T'as pas besoin de moi dans ta vie. Mais si, mais je garde tous les cakes pour moi. Oh, il garde tout pour lui. Il va s'engraisser sans moi. Mais non, je te donnerai des cakes plus tard si tu veux. Tu me dis si je peux aller parler, hein. Attends. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je te demande. Moi, je te demande. Bah, je te demandais la dernière fois. Ouais. C'est bon, vas-y. C'est bon ? Ok. J'ai du mal à imaginer qu'ils mourront de faim à ce rythme. Où mon assistant a-t-il pu fourrer cette invitation ? J'en ai reçu une, d'ailleurs. Peut-être qu'il est temps de lire ces messages qui ne cessent de tomber. Ça ne peut pas être que du spam. Au nom des cohortes de Nova, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude pour ton aide dans ces histoires de victuailles. On se verra à l'événement. Peut-être. Allez. C'était pour un événement, en fait, tous ces smoothies, chips et gâteaux. Bon bah voilà. Trop bien. Nova Prime, c'est fait. Non, oui, moi non plus. Dans le coin, il restait deux missions à faire. Enfin, deux missions si jamais... voilà, ça veut bien se pousser. Oui ! Mission de Gwenpool ! Popopo ! Parce qu'il y a une petite fête, en fait. Très pour bien. Ça. Et on est invité à la petite fête de Gwenpool. On a déverrouillé combien de nouvelles missions de Gwenpool ? 3 ? 2 ? 3 ? J'ai un doute. J'ai un gros doute. En tout cas, jeunes gens, de toute manière, on vous les fera, mais... je pense qu'on se les fera quand on aura déverrouillé les 5 dernières. Qu'est-ce que t'en penses ? Comme ça, on fera une session dédiée. Oui. Les Gwenpool missions. Oui. Ok, donc il me reste. Et bah, il me reste une mission là et une mission verrouillée. Parfait, parfait. Ninja de et c'est pour aller faire un mec qui ressemble à Drax d'ailleurs, qui est vraiment pas beau. Par contre, j'aime pas, mais vraiment, les missions de Xandar me parlent pas. J'aime pas faire les missions à Xandar, je sais pas pourquoi. Ah, mais. Quoi ? Je l'avais déjà fait, hein ? Ah, mais non, j'avais pas pu la faire ! Ah, ça me revient ! Attends, il fallait trouver une super sœur, mais j'avais pas les pièces. Ah, mais c'est pas fini, c'est long. Oui, c'est place, ça, c'est ça, c'est ça. Merde, bah du coup, comment je fais, moi ? Namor, je crois que j'ai une mission que je peux pas finir. Je vais aller voir, mais là, j'ai un gros de... il y a une mission au manoir. What ? Bah, que c'est pénible ! Mais quoi, il y a une mission au manoir ? Je ne sais pas. D'accord, ok, pourquoi pas. Alors, on va voir. Tête de robot, c'est là. Ah, c'est vous. Ok, et c'est là. Voilà. Oui, je me rappelle cette mission, elle est rapide, mais je pouvais pas la faire. J'espère que je peux la faire cette fois. Voyons voir. Oh, l'homme poulet, il est trop beau. Apparence, casque. Oui, j'ai le casque. Non, attends, j'avais déjà le casque la dernière fois. Ah oui, je crois qu'il manquait le t-shirt. Non, il va me manquer de nouveau. Ah. Attends, non, c'est bon. J'ai tout. C'est bon. On peut conclure. Pierre de pistolet, c'est quoi, c'est un boss? Mais non. Mais non, ton boss c'est un pilleur de pistolet. Oui. Très bien. C'est le mec random qu'on croise partout, hein, tu le sais ça. Mais non. Si, un peu quand même. Là, oui, parfait, j'ai un TP juste à côté. Oh, comment, oui, oui. Débarrassé de cette mission. Nyaha. 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 Tu t'en sors? Ouais, ça va. Je crois que t'as terminé ta mission. Ah là, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu me dis hein, dès que je peux causer. Ouais, tu peux, tu peux. Ok. Bon bah voilà. Je t'ai ramené ta sœur. Ta sœur idéale. Attends, mais vous êtes combien, les gars? Ah non. Quoi? Elle est pas finie, la mission. Il faut qu'on combatte ensemble, qu'on aille faire des tas de trucs entre filles. Allez, bon courage. Ah, mon dieu. Pourquoi c'est pas toi qui fais? Elle est où? Elle est là. J'aurais dû l'armer, la sœur. Parce que j'ai pas d'armes. Pourquoi c'est toujours moi qui fais les missions de déguisement où faut boxer des ennemis, quoi? Mais elle est longue, ta mission. Oui. En vérité. T'as remarqué? Ouais, j'ai eu le temps de faire deux missions. Enfin, si j'avais des cheveux. Peut-être que tu t'y prends mal avec les ennemis, non? Je sais pas. T'as fini toi là-bas. Ouh. Ouh, tu t'es fait déglinguer par le cowboy. J'ai tout vu. Hein. Je le savais. Le voilà. C'est bon. Oh, ton flingue. Oui, bien joué Stallou. Vous avez retrouvé mon pistolet. Le pistolero est officiellement de retour. Je me demande si celui à qui j'ai emprunté ce nom a déjà eu ce problème. Oh mince! J'aurais dû donner ma carte à ce gars. Bon, tant pis, c'est trop tard. Merci beaucoup pour votre aide. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Ouais, ma sœur, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est ma skin qui fait ça ou quoi, mais étrangement, je mets une patate à un mec qui tombe par terre. Non, mais c'est genre avant, par exemple, avec Madame Hydra, il fallait que je mette plein de coups, ils étaient pas morts. Et là, je mets une patate et il meurt. C'est waouh! Putain, je mets des coups trop forts!
Non, par contre, si je déglingue ma sœur, ça ne fait pas. Oh, okay, bah, il est trop stylé. Il te reste beaucoup de missions à faire, toi, au Far West, ou pas? Ben, il reste celle-là, et puis il y en a une qui est... cadenassée, là. Ah, si tu veux, on a le temps de faire au moins les deux avant la fin de l'épisode. Après, on verra bien comment ça arrange, mais effectivement... Oh là là, attention, ça dégage. Voilà. De mon côté, je vais bientôt déverrouiller la dernière mission de la zone, donc bientôt le boss. Mm-hmm. Le boss. Le boss. I'm a boss. Je sais pas s'il nous reste beaucoup d'endroits. Bonjour. On a terminé Wakanda, l'Angleterre. Oui, Phantom Rider, il est trop beau. Mon cheval, Banshee, et moi voulons tester nos compétences contre d'autres cavaliers de tous les endroits et de toutes les époques. Pour le moment, personne. Mais y a rien de mieux qu'un nouveau terrain et de nouveaux adversaires pour affûter ses compétences. Ces routes en béton sont dures pour Banshee. Et ça le motive encore plus. Il ne nous manque plus qu'un concurrent. Alors, ça vous dit une course? Tu fais une course scénarisée? C'est trop bien. C'est trop bien. Ah non, ils ont des katanas, merde! Ah non, 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 c'est la fin du plaisir, là, le début du malheur. Oh non, mais mince. Je veux pas. Bonne chance dans ta course, t'as où? C'est parti, je sais pas où je dois... Eh, mais il est trop rapide, vous connaissez. À le déglinguer, oh là là. Tu vas devoir l'avoir sur la technique. Sur la technique, t'as intérêt à connaître le parcours. Il est hyper rapide en vrai. Oh là 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 là. Peut-être qu'il va décélérer. T'as pas un bouton que tu peux appuyer pour genre accélérer? Non. T'as pas de niveau de dada peut-être? Non, je sais pas. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. Ah, il va falloir que tu le battes sur la technique. Enfin, j'espère. Mais c'est trop dur. Putain, m'a l'air chaud ta mission là. Ouais, il est trop rapide. Il est en train de gratter l'écart. Oh, il se gourre. C'est peut-être... Non, bof. Ouais, c'est pas assez, il est trop rapide. Le cheval que t'as, il te l'a donné ou c'est un ouais, cheval que t'as non, trouvé dans la rue? Bah, t'as pas de chevaux. Oh. Non, mais regarde, on dirait qu'il se gourre tout le temps. Vraiment, il faut que tu l'aies sur la technique. Enfin, il faut que tu l'aies sur la technique. C'est toi. Oui. Tu en pesais premier. Allez, dégage. Non. Ah, mais mince. Saute poney. Ah. Saute poney. Aya. Aya, oui. C'est bon. Ok. Ça botte des culs, hein. Ça botte des culs. T'es devant? Oui. Vas-y, salaud. Vas-y, Stallou! Oui! Encore un point! Oui, bravo, oui Stallou! Oh la vache! Tu vois, tu l'as eu sur la technique! Hey! Eh, t'avais carrément une médaille d'or à avoir en plus, hein! À notre propre jeu. On va devoir travailler si on veut récupérer notre titre de cavalier et cheval le plus rapide de Chronopolis! Oh, t'es quand même plus rapide! Oui! Je serais honoré de monter à vos côtés! D'ailleurs, je veux bien ton poney! Mais je me pose une question, moi, est-ce que le personnage est inclus avec le poney? Enfin, est-ce que le poney est inclus avec le perso? Genre, si t'invoques le perso, peut-être que t'as le poney avec. Parce que c'est sympa, hein. En plus, il dit qu'il est le plus rapide de Chronopolis, c'est swag quand même. Je suis sûr, en vrai, t'as un sifflet pour invoquer ton cheval. Pour l'appeler. Ça botte des culs. Ça botte des culs. Je vois que dalle. Je vois que dalle. Je crois qu'il y a des lances là, je suis pas sûr. En tout cas, j'ai vu un mec avec un bouclier. Bah non. Bah merde. Bah je botte le cul à tout. Putain, mais vraiment, je mets des patates trop puissantes. Ah, c'est lui là, lance-flamme. Comment j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure j'ai réussi à lui botter le cul. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ah! Attends. Hein? Donc je tire dessus. Je suis invisible. Oui mais non, c'est pas ça que je voulais. Allez, cherche ton marteau. Bon ça t'es invisible. Ouais regarde. Hop là. Oh c'est stylé. Hop là. Mais non! T'aurais pu remplacer Black Widow? Oui. Ah bon, il fallait le savoir en même temps. Oh, mais, bonjour moi avec mon cheval. Dans le premier je crois que t'avais pareil un perso qui pouvait remplacer mais c'est pas bien. Et du coup, t'as ton cheval ou pas? T'as pas ton cheval? Pas oh, c'est la tristitude. Ça se trouve, le moindre cheval que tu montes, ça devient un expert en course. Attends. Du coup, voilà, tu cherches ta sœurette, t'as ta sœurette. Alors... C'est bon? Fin de mission? Fin de mission? Il y a le boss. Non, si pas fin de mission. Oui, fin de mission. C'est une idée absolument ridicule. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié. En fait, c'était sympa de combattre aux côtés de quelqu'un pour changer. Avant, quand je tissais des liens avec ma sœur, je finissais toujours plus lié aux machines. J'ai bien aimé ce changement. Merci, ma sœur. Peut-être qu'on pourrait sortir une autre fois. J'ai eu Nebula et Voyage à travers le temps et l'espace. Succès déverrouillé, c'est quoi ça? Ok. C'est bon. Ok, attends. Attends, 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 attends. Petite curiosité, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ninutu? Ninutu, ça charge un jour. Un point d'exclamation. Ah! Là! Terminé toutes les quêtes dans Chronopolis. Quoi? Ah bon? On a pas terminé toutes les quêtes quand même? Si? Ah ben ça y est. Mais non! C'est la fin. Mais non! Attends! Vraiment?
C'est la fin de tout, mesdames et messieurs. C'est la fin de tout ? Non mais c'est la surprise là ! Il reste plus que les boss, les Gwen. Non mais c'est la surprise ! Moi je m'attendais à ce qu'il reste encore un ou deux épisodes. Non mais non, sérieux ? Mais oui, il reste que les boss. Non attends, il nous manque au moins un boss là. Ah peut-être qu'il y a un boss ultime, genre le boss que t'as que quand t'as battu tous les autres. Je pense qu'ils sont 11 en fait, donc... Oui, ils sont 11 et là techniquement on en a que 10 avec ceux de là, non ? 8, 9, 10, ouais c'est ça. Attends, défi, c'est qui le boss ? Mais non ! Ils sont les deux derniers boss ! D'accord, bon bah écoute. Ok, bah écoute Stallo, je pensais pas. On commence par lesquels ? Mais nous voici à l'épisode final. De quoi ? On commence par celui de Xandar. Celui que tu veux. Bah t'es Xandar, non ? Ouais, par contre effectivement, à l'inverse, pourquoi je suis bleu ? J'ai un Loki bleu ? Ah, c'est le Loki de Ragnarok, commun. Ouais. Il nous manque beaucoup de persos, hein. Et je pense... Bah c'est bizarre quand même. Bah c'est dans les... L'émission de Gwenpool ? Non, dans le... Ah... Déjà, l'émission de Gwenpool, il y a des persos en plus. Oui, mais dans le scénario, il y en a aussi des personnages. Ah oui, c'est vrai, il y a des persos paumés. Il y a des persos paumés dans l'émission de Gwenpool et dans le scénar, exact. Ah ouais, d'accord. Et bien sûr, on compte pas les personnages de DLC, mais ça, c'est une autre histoire. En plus, les DLC, on les a pas. Oui, vas-y. Ouah, mais j'y crois pas. Non, vraiment, jeune gens, c'est la surprise, en fait. Je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on finirait aujourd'hui. Encore vous. Vous n'en avez pas eu assez l'autre fois. J'ai appris de jolis coups. Ah, il faut le poursuivre. On l'avait déjà affronté en plus dans le scénar, lui. Viens là, Coco. Mais du coup, jeune gens, ça veut dire qu'ensuite, on n'aura plus que deux rendez-vous. Le rendez-vous où on fera les 5 dernières missions de Gwenpool. Et le rendez-vous des lives. Et oui, ma petite Stal, on va pouvoir se faire les lives. Oh, comment tu l'as géré? Oh, c'est vrai qu'il vole, lui. J'oublie tout le temps que la flèche noire, il vole. Hein. C'est... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas évident. Non, t'es... Si, t'as la flèche noire, là. Oui. Oui. Mais j'ai oublié tout le temps que la flèche noire, elle vole. Il est où ? Là. Là, j'ai vu. Non, attends, c'est un vaisseau que je suis, là. Je suis perdu. Ah, vous êtes où ? Ah, si, vous êtes là. Ah, mais c'est pas évident, hein. Il est vert comme la plage. Enfin, comme la mer, comme le décor. Vert zut. Comme la plage. Zut. J'irai pas sur la plage. Les palmiers. Mais elle est propre. C'est une plage verte, c'est une plage pelouseuse. Voilà, c'est pour ça. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pelouseux. Mmh. Il est rapide. Je crois que je vais aller prendre Falcon parce que vraiment... Fou. On a bien vu qu'il volait pas plus vite que les autres. De quoi? On a bien vu qu'il volait pas plus vite que les autres Falcon. Non, il vole pas plus vite que Super Aptozoinaz là, mais c'est tout. C'est tout. Tu vas voir s'il vole pas... Quoi? Je l'ai guaqué, je passais mais à l'intérieur. Mais t'as triché, wesh. Mais c'est grâce à moi. C'est parce que j'ai fait diversion. Tiens, attends, tu vas voir, tu vas plus vite dans le con. Alors attends, t'es où? Là! En avant! Allez! Jamais. Je vole pas plus vite, t'as raison. Ok, autant pour moi. Bon, j'avoue, là vraiment, à un moment, je pensais que Falcon volait plus vite. Je sais pas, juste le fait d'avoir un réacteur au cul, je me suis dit, ça fait la différence. Là, je veux mettre le coup final, j'en ai pas mis un seul. La tristitude. Non, le vois pas. Non, j'ai tout vu. Arrête-toi, toi. Viens là, espèce de cogno. J'arrive pas à le guaquer, il m'énerve. Oui, je mettrai le coup final. Dis-moi que c'est le coup final. Oui. On a eu le vautour. Nanana, tralala l'air. C'est pas drôle. Putain, mais je suis surpris. C'est l'épisode final du mode libre. C'est waouh. Vraiment, j'y crois pas. Ok. Allez, en avant, on enchaîne. Direction le Far West. Attends, tu m'as dit quoi, là? En avant, on enchaîne. Ah. J'ai compris en avant Michel, ou Micheline, j'ai compris un truc bizarre. En avant Francine. En avant Francine. Direction le... C'est qui lui? Je sais pas. Il a un truc sur la tête. Ça s'appelle une cicatrice. Oui, t'as dit oui. Ah, c'est Harry Potter en fait. On affronte Harry Potter. Sauf qu'on dirait le symbole de Naruto, enfin des Naruto. Bonjour. En avant. L'heure de l'affrontement. Ça alors, quelle mais belle journée. Mais tu voulais changer de perso. Il paraît que tu t'es fait un nom dans cette ville. Voyons si tu es aussi redoutable qu'on le dit. Ah mais on dirait le méchant de Daredevil, celui qui vise toujours parfaitement. Farfaitement. Il me faut un perso. Il me faut un perso. Stallo, il me faut un perso. Un perso original, un perso qui change. Un perso qu'on vient de déverrouiller. Ouais tiens, Nebula. Allez en avant. À l'attaque avec mes double cut. Ah merde, il faut lance-grenade. Ouais. Je suis dégoûté. Je viens de m'embêter à chercher un perso et on m'apprend qu'il faut faire péter son armure et j'y arrive pas. Voilà. Il est ici, cogno. T'en sors. Feu. Aïa. Merde, je t'ai fait péter. Pardon. Oh. Du calme. Allons-y.
Eh, on a pas échangé. Ouais, tiens, t'as vu, c'est bizarre. Mais des fois, on échange pas, je sais pas pourquoi. Ah, lance-flamme. Ma vie est tellement nulle. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Chance. Mais non, pas lui. Il a autolock sur un autre bouffon. Ok. Vas-y. En fait, lui, c'est corps à corps, je pense. Les tirs, ça fonctionne pas. Vas-y, corps à corps. Ouais, c'est. Non. Oui. J'ai un doute. Attends, j'ai un gros doute là. Ah, si, c'est bon. Vas-y, bourre-le. Bourre-le comme t'as jamais bourré personne. Mais non, c'est parce que. Oh la vache. T'as bien, hein. Attends. Hop, tout le monde dégage. C'est vrai que par contre, ce qui est bien plus pratique avec Iron Man, c'est que des grenades, il peut en lancer plusieurs à la fois. Alors que je crois que Rocket Raccoon, il est limité à une roquette. Excuse-moi, hein, what? Mais non, mais t'es un rongeur. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, je veux dire, le niveau de talent. Oui Bullseye déverrouillé. Check ça. Yay. Bon, et bah... C'est la fin. Oui, bah c'est... Mais c'était... Mais... Oh. Quoi? Mais non. La camionnette de lait. La putain de camionnette de lait. Sérieusement? Ah! Il aura fallu attendre tous les boss pour avoir la fucking camionnette de lait. La camionnette qu'on a besoin depuis le début de l'aventure. On a terminé le jeu. Attends, c'est trop bizarre. Non, c'est pas possible. Non mais vraiment. Une camionnette de lait, où elle est? Attends, hein? Où elle est? Voilà. Là. Je fais une mise au point sur l'émission de Gwenpool là. Camionnette de lait de mes deux. Ouais, deux du coup. Trois. Ouais, je suis en embouteillage, bats les couilles. 4 en Égypte. Ouais, le Pimp, il a mis un petit sticker dessus. Mais oui, mais on a fini. Mais what? Attends, je trouve pas la cinquième mission de Gwenpool. Eh, on a pas eu un succès pour avoir battu tous les boss là? Ouais, t'as vu? Eh, c'est quoi cette arnaque là, hein? Même d'avoir fini tous les défis, il manque des trucs. Ouais. Il manque des trucs. Ouais, on s'est fait Ouais, hein. Par derrière. Ouais. Attends. D'abord. Je trouve pas le cinquième boss. 1, 2, 3 en Égypte. 4 à Xandar. Et Stalo, où est le cinquième? Hein? Attends, il y a un boss au Far West, d'accord? Ouais. Enfin, il y a une Gwenpool au Far West. Ah, une Gwenpool, à Xandar. 2 à Manhattan. 3. Trois Manhattan. Quoi? Non, celle qu'on a pas faite, hein. Ah, oui, pardon. Voilà. Alors, en plus, il y en a même 4. Ah oui. 1. 2. Égypte. 3. Xandar 4. Et je sais pas où est le cinquième. Je cherche ma cinquième. Le cinquième quoi? Bah, Gwenpool. Hydra. Non, Hydra, on l'a déjà fait. Ah, qu'on a pas fait. Oui, qu'on a pas fait. Ouais, ouh, du mal, hein. Bah, désolé. C'est pour ça, je n'arrive pas à mettre la main sur... Bah, merde. Bon, dans tous les cas, jeunes gens, on a terminé l'aventure. Vraiment, ça fait drôle. Vraiment, ça fait drôle parce que... On a terminé le mode libre. Oui, enfin, je veux dire, on a terminé le plus gros de l'histoire. Maintenant, il nous reste les 5 missions de Gwenpool restantes, qui durent 15 minutes chacune, ainsi que les lives, et on aura bouclé l'aventure pour de bon. Et vraiment, ça me surprend parce que... Bah parce que, je sais pas, moi j'ai démarré l'épisode en me disant, voilà quoi, on finit dans 2-3 épisodes et puis basta. Non, on a fini maintenant. Ok, du coup, y a un mur, tu vois, y a un mur d'objectif dans mon cœur, là, je me sens mal. Oh. Mon cœur souffre, mon cœur est blessé. Michouné. Bon, et bah écoute, ma petite salle, ça aura été 41 épisodes de bonnes rigolades, de bonnes tranches de rigolades sur Lego Marvel Super Hero 2. Un début mitigé, hein, on est d'accord pour dire que le début, voilà, on a fait les premiers épisodes, mais on s'est dit... Donc où on s'est lancé, ça va être lourd plus qu'autre chose, ça sera pas bien, on va pas être content, on va pas passer de bons moments. Et finalement c'était très chouette, c'était très très bien. Oui. Après, est-ce que tu as préféré le premier ou celui-ci? Ah, j'aime bien les deux, mais le premier parce que c'est le premier que j'ai joué en fait, ouais, c'est de la nostalgie. C'est nostalgique, ouais, c'est normal. Après effectivement, j'aime bien le côté Chronopolis, mais oui, il y avait aussi un truc que j'aimais beaucoup dans le premier. Mm. Je saurais pas dire lequel j'aime bien moi non plus. Voilà quoi, il y avait tout un tas de personnages qu'on n'a pas d'ailleurs encore déverrouillés. Ouais. Le pourcentage global, jeunes gens, on est à 60,1%. Autant vous dire que les missions de Gwenpool, ça prend 10% et que tout le reste est dans l'histoire principale. Il nous reste les DLC, mais alors ils sont pas du tout intéressants, c'est pour vous dire, donc je sais pas si on les fera ou en tout cas pas pour le moment. Voilà quoi, pour moi, on a bouclé le plus gros. Mmh. On a bouclé le plus gros et c'est quand même incroyable. 41 épisodes de pur bonheur, de pire rigolade et je ne regrette pas. Bon, on n'annonce pas encore la suite parce qu'il y a encore du travail avant de boucler cette série quand même. Hein. Au moins pour l'émission de Gwenpool, ensuite on verra. On vous fait plein de gros bisous. On attend vos retours, jeunes gens. Savoir si ça vous a plu,
savoir ce que vous en avez pensé, savoir si ça vous a donné envie de l'acheter, savoir si, je sais pas, dites-nous tout en commentaire, on est là, on vous attend, on réceptionne, on est prêt à la réception. Plein de gros bisous, ma petite Stal, et à très bientôt pour de nouvelles choses incroyables et formidables, et à très bientôt pour... Oh, tu fais un tour. T'as vu? J'avais pas vu. Et à très bientôt, du coup, pour les dernières vidéos sur l'émission de Gwenpool, voilà, voilà. Bisous. 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 L'Égypte ou Saka? Tu reviens t'entraîner, soldat.